Bonjour, soyez les bienvenus. Nous allons passer un moment autour de la deuxième partie de notre thème, le projet de Dieu. Nous allons essayer de voir un petit peu, par rapport au temps, nous allons essayer de voir qu'est-ce que c'est que le temps, à quoi sert le temps, comment l'utiliser pour faire aboutir ce que nous voulons. Et surtout, nous allons essayer de rester dans la parole de Dieu, de tout tirer de la parole de Dieu comme nous faisons d'habitude, parce qu'il est très important pour nous de ne pas dire des choses de nous-mêmes. Alors, aujourd'hui, je vous ai dit que je vais vous parler toujours du projet de Dieu pour vous, le projet de Dieu pour moi, deuxième partie, le temps. Le temps, c'est une chose précieuse que nous avons tous en commun. Que vous soyez riche, que vous soyez pauvre, vous avez du temps. Et nous avons le même laps de temps, nous avons les mêmes 24 heures. Alors, ce qui fait que nous devrions comprendre, si les 24 heures sont très valorisants pour certaines personnes qui ont bien compris comment le rentabiliser, nous aussi, nous devons comprendre comment rentabiliser ce temps, parce qu'il s'agit vraiment de ce que Dieu promet dans la parabole de Matthieu 25. Il nous dit, je vais vous donner la possibilité d'avoir des capacités, et ces capacités que je remets entre vos mains, ces dons, ces talents que je remets entre vos mains, ils ne vous appartiennent pas. Il vous appartient de développer ce que moi j'ai posé en vous parce que c'est ma propriété que j'ai posée en vous. Ce sont mes besoins dont il s'agit. Donc, c'est une raison pour laquelle nous devons comprendre que le temps est une chose précieuse et c'est le pouvoir d'achat de la vie. C'est le temps qui me permet d'acquérir des choses. Donc, ce que je suis est le produit de mon usage du temps. Comment utilisez-vous le temps? C'est la question d'aujourd'hui et nous allons essayer d'aller un peu plus loin dans ce questionnement. Le meilleur anti-gaspilleur de temps, c'est la planification. Vous savez, l'apôtre Jacques nous dit que la foi, et on reviendra sur ça sur la troisième partie, l'apôtre Jacques nous dit que la foi sans une œuvre, ou encore, la foi sans un plan, sans une planification, la foi sans mettre un projet derrière est morte. Vous entendez bien ce qu'il dit. On reviendra sur ça la semaine prochaine. Mais il est important de garder ça à l'esprit. La foi sans un projet n'a aucune valeur. Le meilleur anti-gaspilleur du temps, c'est la planification. Planifier, c'est le seul contrôle que nous avons sur le temps. Vous n'avez pas de contrôle sur le temps, sinon de planifier le temps. C'est la seule possibilité que vous avez d'agir sur le temps. Le temps ne peut être ni arrêté, ni ralenti, mais contrôlé, oui, certainement, il peut être contrôlé. Sans un plan, le temps est gaspillé, le temps est dilapidé, le temps est abusé. Si vous abusez de votre temps, vous abusez de vous-même. Vous abusez du potentiel que Dieu a mis à votre disposition. C'est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas faire du temps ce que vous voulez. Vous pouvez faire du temps ce que Dieu veut que vous fassiez. C'est-à-dire que Dieu nous commande de rentabiliser ce qu'il a mis entre nos mains. Vous ne pouvez pas aller cacher sous terre ce qu'il a mis. Lisez bien Matthieu 25. Vous ne pouvez pas aller cacher sous terre ce qu'il a mis en vous. Parce que si vous le cachez sous terre, il vous demandera néanmoins des comptes. Ce n'est pas parce que vous l'avez caché sous terre qu'il ne vous demandera pas compte. Le temps doit avoir un bon usage. L'usage du temps est une grâce de Dieu. Les gens qui parlent beaucoup de grâce de Dieu, le bon usage du temps, c'est une grâce de Dieu. Nous pouvons faire du temps ce que nous voulons. Ce que vous voulez, vous pouvez le faire. Je vous assure que vous pouvez faire. Ce que vous voulez, vous pouvez le faire. La Bible nous dit que Dieu nous demandera des comptes pour ce qu'il nous a donné. Il nous demandera des comptes pour ce que nous faisons de ce qu'il nous a donné. D'ailleurs, quand Jésus revient, vous vous rappelez comment il parle? Il dit, qu'est-ce que tu as fait de ce que je t'ai donné? Donc, ça signifie que nos capacités sont un don de Dieu. Nous pouvons faire du temps ce que nous voulons si nous élaborons un plan et si nous restons sérieux dans l'application du plan. Les amis, il y a deux choses que nous avons. Nous avons le temps et nous avons la capacité de changement. Cela m'attriste toujours quand je vais à l'hôpital visiter des malades et que je vois qu'au moment où ils n'ont plus de temps,
C'est là où ils ont envie d'envisager le plus de choses. N'attendez pas d'être malade pour envisager de planifier. N'attendez pas d'être malade pour vouloir faire des choses. Certains ont entendu que quand on fait des choses, ça prolonge notre vie. Alors ils essaient de faire des choses pour prolonger leur vie. Mais faites des choses maintenant. N'attendez pas d'être malade pour avoir des subterfuges pour rester en vie. Non, ça marche pas non plus. Les amis, appliquez sérieusement un plan dans votre vie. Vos années ne ressembleront qu'à ce que vous en ferez. Je répète, votre année ta 2024 ne ressemblera qu'à ce que vous en ferez. C'est vous qui ferez de vos années ce que vous voulez, parce que c'est vous qui pouvez agir sur votre année. Les gens ne peuvent pas agir sur votre année, à moins que vous ayez perdu l'esprit. Les amis, pourquoi Dieu a-t-il un plan pour nous? Vous rappelez Jérémie, il dit, j'ai un plan pour vous, un plan de bonheur et non de malheur pour vous donner un avenir et de l'espérance. Vous rappelez ce verset de Jérémie 29, verset 11 à 19. Alors posez-vous la question. Dieu a un plan pour moi parce qu'il sait que sans plan, je peux aller nulle part et je ne pourrai pas le représenter. Donc, Dieu tient à sa réputation. Il tient à vous, mais Dieu tient à sa réputation. Il veut faire de nous des personnes de qualité. Par les gens de qualité ont un avenir. Les gens de qualité peuvent le représenter. Dieu veut de la qualité. Dieu vous dit, mais voilà, moi je veux faire de toi un enfant de Dieu. Je veux faire de toi un citoyen des cieux. Vous vous rendez compte, vous êtes encore sur terre et Dieu dit, je vais te donner une carte d'identité céleste. Mais à une condition, c'est que tu rentres dans ma vision des choses. Les amis, essayez de vous imaginer que tous les samedis, tous les dimanches, on prêchait la qualité de vie aux chrétiens. Vous serez des nec plus ultra. Parce que c'est ce que Dieu veut. Dieu veut, écoutez, comment est-ce que Dieu peut me traiter d'ambassadeur? Rappelez-vous ce passage. Dieu, vous êtes des ambassadeurs pour Christ. Comment est-ce que Dieu peut me traiter d'ambassadeur et ne pas mettre en place un plan que ces ambassadeurs doivent suivre? Vous m'avez suivi? Les amis, c'est une réalité. Dieu veut absolument que nous puissions comprendre cela. Et Dieu veut faire de nous des personnes de qualité, car les gens de qualité ont un avenir. Dieu sait que s'il détient votre plan, vous ferez appel à lui de tout votre cœur. C'est pourquoi Dieu, il détient votre vision, mais il tient à ce qu'une fois qu'il vous a donné la vision, vous puissiez élaborer un plan pour y parvenir. Et ce plan est inscrit dans sa parole. Pourquoi je dis c'est inscrit dans sa parole? C'est pas quelque chose qui est dit comme ça, mais un plan, vous le mettez en marche en fonction de la vision que Dieu vous donne, en fonction du projet que Dieu vous donne. C'est comme ça que vous rentrez dans son plan. C'est-à-dire, avec votre plan que vous allez élaborer, vous allez rentrer dans son plan. C'est pas extraordinaire, ça? Il y a un temps pour toute chose, dit-il, Ecclésiastes 3, verset 1. Il y a un temps pour toute chose. Il y a des saisons, c'est-à-dire des moments pour toute chose. Une saison, c'est une période de temps. Tout est saisonnier. Une saison n'est jamais définitive, d'accord? Une saison n'est jamais définitive, mais périodique. La saison revient, elle passe. Et si vous loupez le coche, vous saisissez pas le moment, vous saisissez pas la saison, eh bien c'est vous qui êtes perdant. C'est une grâce de Dieu que la période revient toujours. Dieu fait toujours repasser des opportunités. Personne ne peut dire « Dieu ne m'a pas fait une fleur ». Non, Dieu fait toujours passer les opportunités. C'est nous qui manquons de les saisir. Les choses changent vite, le temps change vite. Parfois, quelque chose que vous devriez faire là et qui allait vous donner le succès, vous ne pourrez plus le faire parce que le temps est passé. Je vous assure, regardez les arbres. Les arbres donnent leurs fruits en leur saison. Si la saison est passée, l'arbre donnera que des feuilles. Parce que l'arbre est en train de se restructurer pour une nouvelle période pour donner des fruits. Nous sommes pareils. Nous sommes pareils. Dieu nous a fait et Dieu voudrait qu'à un moment, à une période, à un temps bien défini, nous puissions présenter le produit que Dieu a mis en nous. Vous vous rappelez? Je reviendrai sur ça la semaine prochaine. Mais une saison n'est pas définitive, disais-je, donc c'est périodique et c'est une grâce de Dieu. Donc, rappelez-vous une chose. Si vous avez des défauts de caractère, si vous aimez la colère, si vous aimez
si vous aimez procrastiner ou encore si vous aimez l'apathie, si vous avez des manques de diligence, vous bougez pas, si vous faites pas d'exercice, si vous savez que vous allez payer tout ça. C'est juste une question de tarif. Vous allez le payer. Parce que les défauts de caractère sont une perte de temps. Dieu n'aime pas la perte de temps parce que la perte de temps nous annihile. Il y a un temps pour se lever, il y a un temps pour aller courir dans le parc, il y a un temps pour revenir, il y a un temps pour se doucher, il y a un temps pour aller travailler, il y a un temps pour tout cela. Et si vous ne prenez pas le temps de tout cela, moi, quand je fais un organotest à certaines personnes, je vois très bien, je leur dis tout de suite, vous êtes sédentaire. Vous ne bougez pas, vous ne faites pas d'exercice. Ça se voit tout de suite sur leur organigramme. Les amis, faites en sorte de vous occuper de vous, occupez de vous, de vous. Prenez un temps pour vous. C'est vrai que vous avez un temps pour les enfants, un temps pour les amener à l'école de musique, un temps pour faire ceci. Mettez dans votre agenda un temps pour vous-même, parce qu'un jour les enfants partiront. Et à quel moment, où est la saison, où est l'époque où vous allez vous occuper de vous-même? Quand la période est passée, elle est drôlement passée. À vous de faire en sorte que ce soit un moment passé, mais de satisfaction. Alors, la Bible nous le reprend. Je reprends Matthieu 25. Qu'as-tu fait de ce que je t'ai donné? Qu'as-tu fait de ce que je t'ai donné? Qui est-ce que tu as écouté? Est-ce que tu écoutes tous ces cultes-là le dimanche qui t'emmènent nulle part? Toutes ces paroles où les gens ne te construisent pas avec la parole de Dieu? C'est toi quand tu rentres chez toi à te construire. Les gens donnent trop d'importance à la personne qui parle et pas assez d'importance à la personne qui a parlé dans la parole de Dieu. C'est Dieu qui a parlé, c'est sa parole. Étudiez sa parole plus que ce que vous pouvez entendre de ma bouche. Parce que moi, je l'étudie pour puiser, étudiez-la, réétudiez-la. Il y a une dame qui m'a dit, monsieur, je copie totalement sur un cahier tout ce que vous dites. Et elle me dit, ça me fait prendre de l'altitude au niveau de ma spiritualité. Alors, c'est à vous de prendre aussi de l'altitude. La vie est mesurée par ce que j'ai réalisé. Votre vie est mesurée par ce que vous avez réalisé. Posez-vous la question, qu'est-ce que j'ai réalisé aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai réalisé de ma vie? C'est mon accomplissement qui me qualifie. Vous êtes qui? Quelle est votre valeur? Vous êtes la valeur de votre accomplissement. C'est la raison pour laquelle, quand vous regardez ce que vous avez accompli, vous devriez pouvoir vous dire, est-ce que ça me plaît? Ou est-ce que je dois bifurquer? Je vous ai dit, nous avons le temps et nous avons la capacité de changement. Pensez à ces deux choses. J'ai le temps et ma capacité à mettre en œuvre un changement. J'ai mon temps et ma capacité de changement. Avec ces deux choses, vous changez votre monde. Je vous assure. Vous changez votre monde avec ces deux choses. Alors, dites-vous, ma destinée est donc ma responsabilité. Faites un bilan. Faites un bilan. Il faut absolument que tu fasses le bilan. Est-ce que là où tu es te plaît? Il n'y a pas grand-chose à faire pour passer à autre chose. Mais il faut cette volonté et cette faculté de mettre en œuvre le changement. Alors, il faut savoir, dans le livre des Chroniques, il dit, c'est David qui parle, ou sinon c'est Salomon qui rapporte. Il dit, savoir reconnaître les temps, savoir reconnaître les moments de la vie, les périodes de temps de la vie, savoir reconnaître les saisons. Vous savez, aux Antilles, nous, on sait très bien à quelle période il y a tel fruit. Ici, en France, c'est pareil, on sait à quelle période il y a des pommes. Les amis, mais faites-le dans votre vie. Regardez les différentes saisons de votre vie. Et essayez de comprendre comment rehausser votre accomplissement. Ayez l'intelligence du temps. Déjà dans l'Ancien Testament, l'auteur dit, ayez l'intelligence du temps. Il vous faut reconnaître et comprendre le temps. Quel temps est-ce que vous vivez? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour changer ce temps? Comment vous pouvez améliorer ce temps? Vous avez besoin de le faire. Si je ne reconnais pas le temps, je ne peux pas savoir ce qui va se passer. Si vous ne savez pas où vous en êtes, comment vous allez savoir soupeser les changements que vous mettez en place? Vous ne saurez pas non plus ce que vous avez à faire et comment le faire. Alors votre vie deviendra sans but. C'est ce qu'il faut éviter. Faire en sorte que je reconnaisse dans quelle période de ma vie je suis.
Savez, quand vous avez des turpitudes, coup sur coup, et que la vie avance comme ça, vous deviez prendre le temps de faire un bilan, reconnaître là où vous en êtes afin de pouvoir vous propulser. Vous n'avez pas le choix, la vie est comme ça. Si je ne reconnais pas le temps, je fais probablement aujourd'hui ce que je ne dois plus faire. Si je ne reconnais pas ma période de vie, je fréquente peut-être la mauvaise équipe ou les mauvaises personnes. Mais c'est à vous de mettre une histoire derrière ceci. Mettez une histoire derrière ceci. Dites-vous, il faut absolument que je comprenne le temps. Qu'est-ce qu'il en est du temps? Qu'est-ce que je fais avec mon temps? Est-ce que j'aurai une compréhension complète du temps que je vis? Alors la vie est mesurée en période de temps, bien sûr. Mon temps est donc ma vie. Le temps que je vis sur Terre, c'est ma vie. Nous appelons ça ma vie. Gaspiller du temps, c'est abuser de sa vie. Et rappelez-vous toujours, le temps perdu ne se rattrape jamais. Le temps n'est pas rattrapable. Vous pouvez racheter le temps, mais le temps n'est pas rattrapable. D'accord? Alors, le temps sans un but est une vie vide et sans sens. Vous pouvez reprendre cela et le revoir. Si je n'ai pas un but, ma vie n'a pas de sens. Les amis, une personne qui prie est une personne qu'on ne peut pas arrêter facilement. Gardez un temps de prière, toujours, et essayez de mettre en application ce que je vous dis. Mais faites-vous aider par Dieu, que Dieu finisse par vous porter. Alors posez-vous la question véritable. Qu'est-ce que le temps de ma vie? Alors Genèse 6, verset 3. La Bible dit que c'est 170 ans, au mieux 80 ans pour les plus vigoureux. Voilà mon temps de vie. Dieu dit en Genèse 6, verset 3, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Vous avez vu, le minimum, Psaume 90, verset 10, c'est 70 ans, dit Dieu, mais le maximum, c'est 120 ans. Vous avez une marge dans cette période de temps. Faites tout pour vous garder en vie. Toujours dans les psaumes, David rapporte, c'est toi, par la bouche de Salomon, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Et regardez bien ce qui nous intéresse. Quand je n'étais qu'une masse informe et vide, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun de ces jours n'existât. Vous avez vu ce qui est marqué là? Ça signifie que Dieu, dans son livre, avait déjà inscrit mon premier jour et mon dernier jour. Dieu connaît votre vie du début jusqu'à la fin. Dieu connaît votre vie du début jusqu'à la fin. Voilà la période que Dieu couvre. Ma vie, Dieu la connaît. Dieu sait exactement, quand il me dit, je t'ai créé comme une créature merveilleuse pour un avenir, avec un avenir où tu as des projets, un avenir où tu as des projets de vie, un avenir où tu excelles. Voilà, il a dit, voilà les projets que j'ai formés sur toi. Il dit donc, l'Éternel connaît les projets et l'Éternel connaît le début jusqu'à la fin. Il connaît tout et il te dit, je t'assure que c'est une vie de succès. Vous savez pourquoi beaucoup de gens ne vivent pas cette vie de succès? Parce qu'ils n'observent pas le plan de Dieu pour eux. Ils n'observent pas le projet de Dieu. Ils n'observent pas la vision de Dieu. Ils ne mettent pas en marche dans leur vie un projet avec une orientation divine. C'est pour ça. Alors même parfois, on arrive au fait de notre projet et on est sûr qu'on a du succès dans tout. Et quand on considère notre cœur, on considère à l'intérieur, on commence à avoir des pensées, on se dit, mais écoute, où est mon Dieu? J'aurais été tellement mieux. J'aurais fait ces mêmes projets avec autant de succès et avec Dieu, j'aurais double succès. Les amis, restez en connexion avec Dieu. Alors, nous sommes nés de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. La Bible dit que nous sommes Adam, homme et femme, Adam, Adam mâle, Adam femelle. Nous sommes nés de A, c'est-à-dire Dieu. La lettre Aleph représente Dieu. Alors, ils entendirent la voix de Dieu qui parcourait le jardin. Vous vous rappelez après leur péché. Mais l'Éternel Dieu les appela parce qu'ils étaient cachés. Et l'Éternel leur dit, où es-tu, Adam? Où es-tu, Ève? Où êtes-vous? Les amis, il répondit, j'ai entendu ta voix et je me suis caché. Et voilà ce que Dieu lui dit. Qui t'a appris que tu es nu?
Qui t'a appris? Qui t'a appris? Dieu veut jalousement que nous puissions nous adresser à lui, que moi je puisse m'adresser à lui, que vous puissiez vous adresser à lui. Voilà ce que Dieu veut. Et là, Adam a été écouter quelqu'un d'autre et il s'est trouvé dans la panade. Il s'est trouvé dans des difficultés. Donc, c'est à nous maintenant de comprendre. Dieu veut pas que nous allions n'importe où pour écouter n'importe qui. Vous êtes la résultante de votre écoute. Ce que vous écoutez, c'est ce que vous deviendrez. C'est la raison pour laquelle vous pouvez écouter qui vous voulez, mais sachez que ce que vous écoutez, vous allez le devenir. Vous savez, on est dans une société d'argumentation. Parfois, vous écoutez des gens, alors que la chose est marquée noir sur blanc, ils vous donnent des arguments que la chose n'est pas comme ça. Vous rappelez? Dieu a-t-il réellement dit? Rappelez le coup de Satan. Dieu a-t-il réellement dit, a-t-il dit à Ève? Ève avait bien entendu ce que Dieu avait dit, mais Dieu a-t-il réellement dit? Les amis, aujourd'hui, dans cette société, vous avez écrit noir sur blanc qu'un homme, c'est un homme, une femme, c'est une femme, et il y a des gens qui vous donnent des arguments du contraire. Et si vous les écoutez, beaucoup de chrétiens les écoutent. J'entends certains croyants, des gens qui lisent la Bible, venir me sortir leur truc. Leur truc tout monté parce qu'ils l'ont entendu sur Internet, tout, et ils viennent me le sortir comme un argument. Bonne chance. Les amis, là où nous sommes bien, là où nous sommes bien debout, c'est quand nous sommes ancrés dans la parole de Dieu et que nous écoutons Dieu. J'insiste, et que nous écoutons Dieu. Par le Saint-Esprit, nous écoutons Dieu. Par sa parole, nous écoutons Dieu. Il y a un temps pour tout sous le soleil. Il y a une période de temps, un moment, un temps approprié pour faire les choses. Le temps passé ne revient pas. Alors, il y a un temps approprié pour faire les choses. Il y a un moment pour tout, un temps expérimental, un temps occasionnel pour toute chose, pour toute chose. La chose, c'est quoi? Le mot, c'est ici désir, ce à quoi je prends plaisir, mon but sous le ciel. Donc, Dieu dit, il y a un temps pour tout but qu'il nous a imparti sous le ciel. C'est pas un temps pour faire n'importe quoi. C'est un temps pour un temps. Voilà le mot. Le mot, c'est répète. C'est un désir. Ce à quoi je prends plaisir. Je prends plaisir. Il dit, c'est pas un plaisir négatif, mais ce à quoi je prends plaisir selon le plaisir de Dieu. C'est-à-dire mon but sous le ciel. Dieu me demande de consacrer à mon projet de vie le temps qu'il m'a imparti sur cette planète. Les amis, c'est pas merveilleux ça? Alors, tout ce qui est créé l'est dans un but, et ce but a une saison qui lui est attachée, c'est-à-dire son temps d'accomplissement. Dieu m'a pas créé comme si j'étais subsidiaire. Dieu m'a créé parce que je suis essentiel. Les amis, comprenez votre essentialité. Comprenez qui vous êtes. Le temps est créé pour accomplir des objectifs. Pour accomplir des désirs, les désirs de votre cœur vous seront donnés, dit l'Évangile. Le Psaume 137. Il dit que nous avons des désirs, mais ces désirs sont placés en Dieu, ces plaisirs donnent de Dieu. En fin de compte, nos désirs, je vous ai déjà expliqué, ce sont les désirs divins. Ce à quoi l'homme prend bon plaisir, bon plaisir, bon plaisir, pas n'importe quel plaisir. D'accord? Le temps doit être approprié. Une chose accomplie hors temps est inappropriée. Une chose accomplie hors temps est inappropriée. On n'a donc pas le temps de perdre du temps car le temps passe. Le temps se manifeste en période, je l'ai déjà dit, et ces périodes se manifestent en saison. Quand la saison change, nous devons nous adapter. Quand la saison change, nous devons nous adapter. Si vous vendiez des noix de coco aujourd'hui, vous verrez, demain, ça ne se vendra pas de tel côté. Aujourd'hui, regardez bien dans les supermarchés, ce n'est pas les noix de coco qui ont le plus de valeur, mais les dérivés. Donc, il y a un temps pour les noix de coco, il y a un temps pour les dérivés. C'est comme ça que la vie va. Il y a un temps où je devais manger tel pain, et il y a un temps où j'arrête de manger tel pain, je passe à un autre pain, parce que j'ai compris qu'il va avec le changement. Il m'emmène plus de nutriments. Les amis, chacun doit trouver sa saison et s'y adapter. Adaptez-vous. Ne faites pas quelque chose parce que vos parents l'ont toujours fait. Il y a beaucoup de gens qui me disent ça. Ah, mais maman faisait comme ça. Mais il faut arrêter un petit peu. Maman a vécu il y a 20 ans, il y avait 30 ans, 40, 50 ans. Et vous me dites, ah, mais mes parents faisaient comme ça. Non, non, faut jeter ces phrases.
Faut commencer par faire des choses solides, des choses que vous avez analysées et que vous comprenez. Et ça va vous donner plus d'aura dans la vie. Dieu a implanté au tréfonds de l'être humain le sens de l'éternité. Vous savez, la vie qu'on est en train de vivre, Dieu l'a implanté au tréfonds de nous. C'est-à-dire que Dieu a mis tout ce qu'il faut en nous pour que nous puissions traverser ce projet de vie. Sans toutefois que l'homme puisse appréhender l'œuvre que Dieu accomplit du commencement jusqu'à la fin. C'est vrai que nous ne comprenons pas en totalité. Si nous comprenions la parole de Dieu en totalité, eh bien, ce serait la fin du monde. Ce serait la fin de tout. Dieu nous a appelés. Sa parole est tellement puissante que même les nouvelles générations qui ne sont pas encore nées et qui arrivent vont le comprendre avec plus d'amplitude, excusez-moi. Ils vont comprendre sa parole avec plus d'amplitude. Il y a des gens aujourd'hui qui tordent la parole de Dieu. Ils font de leurs adeptes des esclaves de leur interprétation. Et les adeptes, non, il y a des gens que je ne comprends pas. J'entends les choses les plus aberrantes. Jetez un coup d'œil sur Internet, vous verrez les choses aberrantes que des prédicateurs peuvent faire à leurs membres. Des choses qui n'ont ni pied ni tête. Comme par exemple, j'ai vu un pasteur qui demande à ses membres d'aller dehors et de manger de l'herbe pour qu'ils soient bénis. Et on les voit tous, ils ont quitté l'église, ils sont sur le gazon en train de manger du gazon. Mais le ridicule, oh là là, ah, quand j'étais petit, on me disait que le ridicule tue. Ça tue pas toujours, hein. Les amis, comment Dieu mesure-t-il notre vie? Matthieu 25. Il le mesure en termes d'accomplissement. Il vous dit, qu'avez-vous fait avec ce que je vous ai donné? Alors, regardez ce qu'il dit plus bas. Matthieu 25, 21, 23, il dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Vous savez ce que ça veut dire, c'est bien? Le mot yo, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire, tu t'en es bien sorti, tu as bien agi, tu as fait prospérer la chose. Les amis, il dit, c'est bien, tu as bien agi, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Voilà la conclusion quand Jésus revient. Et c'est ça que j'ai envie qu'il me dise. Alors on pourrait poser la question, qu'est-ce qui qualifie une personne? Une personne n'est pas qualifiée par ce que nous voyons. Une personne est qualifiée par le chemin qu'elle a parcouru. Et elle est qualifiée par l'histoire qu'elle porte en elle. Les amis, c'est pourquoi les personnes âgées sont si extraordinaires. Parce que les personnes âgées ont une histoire. Les personnes âgées ont un parcours. Et quand vous les écoutez, il y a comme une sagesse qui émane de leur parcours. C'est pourquoi nous allons vers eux souvent pour avoir une notion de leur sagesse. Parce que nous pouvons bâtir dessus. Les amis, qu'est-ce qui est pire que la mort? Pire que la mort, c'est avoir une vie sans but, sans accomplissement. Ça, c'est pire. Vous êtes vivant, mais vous êtes déjà mort. Si vous n'avez pas un projet, une vision, un plan élaboré pour établir ce projet et vous permettre d'atteindre votre vision. Si vous n'avez pas ça, votre vie est sans but, sans accomplissement. La semaine prochaine, je vais vous apprendre comment atteindre cela. Passez le message à vos enfants. Faites quelque chose. Faites-moi plaisir quand vous regardez mes vidéos. Likez, abonnez-vous. Et comme ça donnera plus d'ampleur à ce message. Et surtout, cliquez, partagez le message. Donnez une chance à ceux qui sont tout le temps dans la même chose et qui désirent prendre de l'altitude dans leur vie. Éternel temps de Père Céleste, merci pour ta présence. Tu nous as appelés à prier sans cesse. Et nous voulons venir vers toi avec cette prière de nous garder, de garder notre pensée de tous ces arguments que nous entendons et surtout de nous propulser avec ta parole, comme tu l'as dit, de nous aider à mettre en application ce qu'il faut pour propulser notre vie. Que ta bénédiction soit sur chaque personne qui écoute cette vidéo et donne-leur le courage de le mettre en pratique au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. La semaine prochaine, nous allons parler de la foi parce que la foi sans un plan est morte. Elle est vraiment morte. Et jusque-là, rappelez-vous, priez sans cesse parce qu'une personne qui prie est inarrêtable. Que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine. Ciao, ciao. Shabbat shalom.